finally call Maurice Machenbaum, Treasurer of the World Scout Committee, to address the conference. Maurice. I will be doing my presentation in French. That's very impressive. Monsieur le Président, chers amis scouts, mesdames, messieurs, pour la deuxième fois, j'ai le privilège et le plaisir de présenter à la conférence mondiale le rapport du trésorier. Alors pour commencer, j'aimerais tout de suite vous assurer que les professionnels en charge du fonctionnement du Bureau mondial applique une gestion rigoureuse et prudente de nos ressources. En effet, le Bureau mondial a adopté les nouvelles normes comptables reconnues en Suisse et se référant aux organismes sans but lucratif. Il a mis en place un système de contrôle interne tout à fait satisfaisant. Il a formé les responsables des bureaux régionaux sur ces normes de contrôle interne. Compte avec un comité d'audit et a subi en son siège à Genève, comme dans toutes les régions, un audit interne mené avec beaucoup de professionnalisme. Et pour finir, il a satisfait les auditeurs externes, Ernst & Young, qui ont confirmé les progrès et la qualité des processus mis en place. Alors, concernant les résultats consolidés depuis la dernière conférence en Corée, je vais vous parler de la situation au 30 septembre 2009, la révision de la situation au 30 septembre 2010 étant pour l'instant pas encore finalisée par nos auditeurs. Concernant les recettes opérationnelles consolidées du Bureau mondial, c'est-à-dire l'ensemble de nos revenus à l'exclusion des projets spéciaux, ceux-ci ont quelque peu augmenté pour arriver à une moyenne de 9,7 millions de francs suisses par rapport aux 8,8 millions du triennat antérieur. Toutefois, on peut noter les points suivants. Les cotisations représentent toujours une part très importante de notre budget, avec pour l'année fiscale 2008-2009 4,9 millions de francs suisses, soit 48% de nos recettes, comme vous le voyez sur le graphique. Les contributions accordées par la Fondation du scoutisme mondial en 2008-2009 avoisinent 2,5 millions, ce qui représente 24% de nos recettes. Alors j'en profite ici pour remercier vivement la Fondation et souligner que tant le Comité mondial que le Bureau mondial a joué d'une excellente collaboration avec la Fondation durant ce triennat. J'ai eu l'occasion de travailler régulièrement avec eux sans aucune difficulté. Au regard de ces chiffres, l'organisation mondiale dépend principalement, donc pour 72%, de ces deux seules sources de financement, à savoir les cotisations et la Fondation. Ces chiffres doivent vous faire prendre conscience de l'importance des cotisations pour le bon fonctionnement du mouvement. Et j'en profite pour rappeler que les cotisations sont dues en début d'année. En début d'année. Merci d'y penser. Mais ces chiffres soulignent aussi la faiblesse de notre mouvement, qui a un cruel besoin d'augmenter ses ressources par la diversification de ses sources de financement, telles que demandées par la résolution 1808 lors de la dernière conférence en Corée. J'y reviendrai dans quelques instants. Concernant les dépenses, depuis la conférence de Corée en juillet 2008, deux exercices comptables se sont soldés par des déficits, soit près de 120 000 francs pour 2007-2008 et près de 900 000 francs pour 2008-2009. Alors, il convient de préciser ici que l'importance du déficit 2008-2009 provient essentiellement d'une dépréciation de notre participation dans la société Rentas Picarkin. Et vous avez entendu notre président vous annoncer que nous en sommes aujourd'hui totalement désengagés et sans perte financière. Les comptes consolidés pour l'année fiscale 2009-2010, qui vient de se terminer maintenant, sont en cours de révision, mais devraient dégager un résultat consolidé positif. Donc nous sommes sur la bonne voie. Concernant l'allocation aux bureaux régionaux, les transferts aux bureaux régionaux exprimés en dollars américains, ont augmenté de 14% entre 2007-2008 et 2008-2009. Pour l'année fiscale qui vient de s'écouler, nous constatons également une augmentation substantielle de 17%, soit un total de 31% en seulement 2 ans.
Alors ces augmentations consacrent clairement la volonté du Bureau mondial de donner une priorité au terrain, conformément à la résolution 1608 que vous avez adoptée en Corée. Alors pour les passionnés, je suis certain qu'il y en a beaucoup ici dans la salle, vous trouverez plus de détails et plus de chiffres dans mon rapport qui vous a été distribué dans les Harara Hall et qui se trouve ou se trouvera incessamment sous peu sur le site web scout.org. Mais je pourrais me limiter ici à la revue d'éléments purement techniques. Toutefois, comme je l'avais fait lors de la conférence de Corée en 2008, je souhaite apporter une vision plus analytique et à plus long terme, en vous faisant part quand même de ma préoccupation quant au niveau des ressources du mouvement. Des niveaux de ressources que je considère nettement insuffisants, tant au regard de l'importance du scoutisme dans le monde, que des défis que nous nous engageons à relever. Comme vous le constatez sur ces graphiques, le niveau des revenus de notre mouvement depuis 10 ans stagne et a même diminué, alors que nos ambitions d'un meilleur scoutisme, pour plus de jeunes, d'augmenter le nombre de membres, sont des ambitions qui ont augmenté. Alors cette situation n'est pas une fatalité. Des ressources financières sont disponibles à travers le monde pour le mouvement scout, parce qu'il offre d'unique dans le fond. Il a tout à fait la possibilité d'y avoir accès. Pour ce faire, le Comité mondial, sur la base de la résolution 1808, qui lui demande de diversifier les sources de financement, a approuvé la création d'un poste de recherche de fonds, un fundraiser, au Bureau mondial, dont le travail débutera cette année, en 2011. Une stratégie globale de recherche de fonds, notamment pour des fonds non affectés à des projets spécifiques, c'est-à-dire des fonds à libre disposition, doit être développée et mise en œuvre au plus vite. Son succès dépendra de l'ouverture et de la collaboration des OSN à travers le monde pour ouvrir l'accès aux dizaines de millions de scouts actifs et anciens qui voudraient solidairement contribuer à la qualité et à la croissance de notre mouvement. La technologie et la force des réseaux sociaux sont les outils dont nous disposons aujourd'hui. Et en parallèle des actions plus traditionnelles de recherche de fonds, ils doivent nous permettre d'entrevoir une croissance significative de nos ressources dans un avenir relativement proche. Nous comptons donc sur vous pour partager cette vision. Nous avons vraiment, avec le scoutisme, un fabuleux outil pour créer un monde meilleur. Mais nous avons besoin de solidarité et d'ouverture des OSN pour pouvoir ensemble augmenter nos ressources et les redistribuer globalement. Alors pour conclure, j'ai sans doute une fois de plus dépassé mon rôle de trésorier qui consiste à approuver les activités des personnes responsables de la gestion financière de nos actifs. Je le fais maintenant officiellement avec grand plaisir. En effet, d'un point de vue technique, les états financiers du Bureau mondial du scoutisme sont sains. Je suis heureux de vous confirmer le bon fonctionnement financier du Bureau de Genève et des bureaux régionaux. J'aimerais plus particulièrement remercier notre secrétaire général, Luc Panisseau, et l'ensemble de son équipe de par le monde pour le travail exemplaire réalisé tout au long de ce triennat. Je vous remercie pour votre attention et je reste bien sûr à votre disposition pour répondre en plusieurs langues à vos questions tout au long de la conférence. Merci.